Hey yo tout le monde, c'est Tiob. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Crusader King 3, dans lequel nous jouons la France. La France, la France, la France, la France, la France, la France, la France. La France, la France, la France, la France, partout. Presque. Bon, peut-être pas non plus. Je sais plus du tout ce que je faisais. Défi au jeu de plateau. Ah bah oui, c'est vrai. C'est qui me défie, les gars? Le chancelier de la duchesse. Ah oui, c'est un copain à moi, ça. Alors que le comte Bueno... Bah attends, bizarre, j'ai l'impression de le connaître, lui. Tu défies un centenaire, mon ennemi, hein, quand même, tu devras avoir honte. Mais c'est pas grave. Naturellement, je ne vais pas vous ménager maintenant, cyniquement, mon adversaire. Vous ne le ferez certainement pas pour moi, alors pourquoi me mener la peine? De toute façon, je connais les règles comme ma poche, donc c'est pas un problème. C'est pour ça que vous devez faire des efforts, me dit mon adversaire, sur un ton tout à fait insupportable. Il n'y a pas de subtil au travail, dans la vie ou dans les échecs. Oui. T'inquiète, tu es déjà dans mon piège. Bien sûr que vous êtes gagnant, dit mon adversaire d'un ton abattu. Personne ne me laisse jamais gagner une partie d'échecs. Eh, mais c'est normal. Contre de vrais amis, enfin plutôt face à un vrai ami. Je ne lui cache pas la vérité, même si c'est lui montrer qu'il est nul. J'aimerais bien rejouer un joueur. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Des artefacts à faible durabilité, des revendications. Ouais, ça me fait des contrats. Fils, fils, fils. Les hommes sont. Ça, je m'en fiche. Voyons voir, on était en guerre contre qui? Guerre de libération. Ah oui. On va aller donner un coup de main à. Ouais, effectivement, on allait donner un coup de main à la libération de la Grande Moravie. Mais c'est vrai que. Ah oui, on était en Angleterre, on était en Écosse même. Ah oui, on venait de conquérir presque l'ensemble de l'Écosse. Oh, il va falloir que je récupère deux choses, la chefferie de Rayard et le Yaldom de... Oula, alors là je sais pas lire. Klabsgorg. Désolé pour la prononciation, il y a ici présent des amis des pays nordiques. Je suis totalement incapable de lire cet alphabet. Ok, bah comment ça? Attends, quoi? Ah oui, d'accord, j'arrive là, c'est ça? Attends. Ok, on va mettre rendez-vous à Gressen. Étienne n'est plus en Sénégal. Oh, c'est des châles. J'ai du mal avec ça. Il a mouru, ce n'y fut. Ce sera toi, madame. C'est bien ça. Une femme au poste de la cour. C'est un bon premier pas vers ce que je veux faire. Attends, mais je suis en train de faire caserne, non? C'est de l'air tribal en plus. Après. Après, en vrai, les casernes sont vraiment pas mal. C'est... Déjà des verrous tous les minimums militaires de l'ère tribale, ça c'est bien. Pour 3 ans. C'est vrai qu'il faudrait que je trouve un truc aussi sur lequel on me recherche après. Oula! Querelle de compassion! Ému par ma souffrance, le duc mène à plusieurs reprises à garder l'espoir dans le fardeau de mes fonctions. Les attentions données ont toutefois provoqué l'ire du duc. Alors? Tu rigoles toi le duc Mistaf de machin là? Tu rigoles d'un vieux? T'as pas honte?
J'ai pas un compromis là? Ouais, on va chercher un terrain d'entente. Bande de PNQ au lieu de foutre sur la tronche. On dirige le même empire, je vous rappelle. Hein. Au bout d'un moment, faut arrêter d'être. Hein. Excommunication, le bourgmestre Simon. Bon, toi, tu vas finir en taule, mon gars. Ah, les excommunications, c'est comme lui. Oh, attends. Ah non, c'est la même. Voilà, toi t'es en taule. J'arrive, mon ami, j'arrive. Je suis un pouille en retard, excusez-moi, mais je fais du mieux que je peux. On était loin. Hein. Attends, je suis dans quel camp, moi, déjà? On va aider le duc de Grande-Moravie. Je pourrais le vassaliser un jour, le royaume, je veux dire, de Grande-Moravie. Non, m'intéresse pas ça. Ma fille! Cache quelque chose. À propos de notre fille. Mais non, elle a toujours été. Elle a toujours été honnête avec moi, il n'y a pas de, raison qu'elle m'ait trompé. Là. Donc on y arrive tranquillement. On va quand même aller vite l'aider. Oh non, il devient infirme. Ah, il devient infirme. Ah, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon du tout. Je savais qu'on finissait tout aller plus lentement, mais je ne pensais pas que tout s'arrêterait avant ma mort. Et tant je me sens mal, et je me demande, et tout me demande plus d'efforts, au point d'avoir peur qu'en m'allongeant, je ne puisse plus me relever. Aïe. Oh non, pas infirme. Ah, c'est terrible. Élise, tu es adulte. Oh non, tu es devenue une belle jeune fille. Pour le coup, tes stats sont corrects. Oh, bâtisseur de fortune. Oh oui. Et les mariés peuvent se. Les fiancés peuvent se marier. Probabilité d'engendrer moyenne. Comment ça, moyenne? Ah ouais, elle est déjà un peu vieux. Il faut absolument qu'ils aient un gamin. Eux, il faut absolument qu'ils aient un gosse. Élise, tu dois absolument faire un gosse aux basileuses de l'Empire byzantin. Ouais, je sais pas. Et je m'occuperai de faire arriver ton gosse en héritier, t'en fais pas. D'ailleurs, je vais commencer ça, allez hop. Principale héritière. On va faire un petit assassinat. Donc, je suis infirme, ça c'est moche. Voilà, ancienne conjointe. Conjointe. Alors, ancienne conjointe, conjointe, conjointe. Aïe, je suis infirme, je suis vraiment une merde. Acte de bienveillance, la guérisseuse, chamblement. Est-ce que j'irai pas me faire un petit tour à Saint-Jacques-de-Compostelle?
Je pourrais passer par Lourdes, on sait jamais, il y a des miracles des fois. C'est... Ah, je crois qu'en étant infirme, je peux même pas, quoi. Oh là là, terrible. J'ai devenu infirme à 102 ans. Oh, t'as appris ma langue à 7 ans, bien joué. Ouais, 7 ans. Bon, coucou à toi, nous arrivons. On dit c'est que ça la gouille, oui. Ah oui, ça la gouille un peu quand j'ai tout le monde. Bon, on arrive. Oh la vache, j'ai pris 59% là. On a pris 59% de conditions de victoire d'un coup. Ouais, double victoire. Allez, on va. Toi, tu vas là. Toi. Nama. Toi. Ici. On verra plus tard. Ouais, le dernier ici, on sait jamais. Des fois que il se barre l'autre, on reprendra le flambeau. Revendication, non. Oh, on va faire quelques sièges. On va s'asseoir. Non, c'est pas ça. Oh là là, regardez-moi à quel point on a grandi quand même. Il y a juste la papotée là, j'aimerais bien là. Mais non. Oh! Ah tiens! Ah, le royaume de Sicile qui prend le royaume de Sicile. C'est pas une mauvaise chose. C'était pas prévu, mais tant mieux. C'est quand même marrant. Hein. On a peu de terrain franchissable. Ouais, non, j'arrive. C'est juste que j'avais pas zoomé. Ok. Revendication, m'en fous. Donc ces montagnes-là sont pas à moi? Ah oui, elles sont à la Germanie. Ouais. N'hésitez pas à vous agrandir, que ce soit par là, ou... Oh bah tiens, on s'agrandit par là. Où vous voulez, partout, par là-bas, par là... Allez-y les gars, oh là c'est le bordel par contre ici. Oh c'est très le bordel là. Ouais, je vais aller faire un petit pèlerinage, hein, je crois. Minave, Pievardi. Bon. J'ai pas besoin de ton hameçon. Faire améliorer sa prouesse, très bien. Monte le développement comptal. Seulement on perd d'opinion, on perd de contrôle. Ouais, non. Ça peut être bien, mais. On a une bonne acceptation ici, les Catalans, ouais. On s'entend bien. On va faire ça sur les Catalans. Part de contrôle, réduction des impôts, diminution du croissance et développement. Ouais, on va faire ça. Allez. Je
sais pas du tout combien de temps ça va durer. Hein. Là, je peux pas voir ici, là, du fait de Languedoc. Ah si, il me suffit de faire ça, je suppose. Acceptation, opinion... Oh, on est bien. Opinion, rien, pas plus, pas moins. Culture catalane, acceptation. Ouais, on est bien, acceptation. 94%. Et... Plus de prouesse, ah c'est bien, vraiment, là. Ah ouais, non, j'aurais dû vraiment faire ça plus tôt, hein, mon maréchal, le mettre en former les commandants, c'est fort, purée. Et d'une puissance, ce truc. Toi. Ah, dommage. C'est vrai. Ouais, non, ça me procure. Oups. Mon hameçon expiré, mon fiche. Là, c'est bientôt bon. Hein. Putain, non. T'avais pas vu, toi. Allez, viens là. Oh, faut faire le tour de la montagne. On descend de la montagne à cheval. On descend. Pourquoi? Oh, ça me rappelle un reflet d'acide, si vous connaissez pas. C'est génial. Du vin, allez. Merci d'avoir bu. Nicarété est morte. Emmurée et bientôt sera oubliée. Elle repose en paix. A disparu sans laisser de traces. Et là l'héritière c'est elle. Est-ce que toi tu aurais un moyen d'être enceinte Où est-ce qu'on voit ça? Ah si normalement c'est par là quand ça paraît. Ah merde elle est chaste. Oh la con! Élise! Comment ça t'es chaste? Je suis pas d'accord. Alors. Confident, oui. 99%. Ouais, voilà. Ainsi soit-il, on a gagné, les doigts dans le nez. On peut pas lui proposer la vassalité. Ah, je connais pas la... le Magyar. Ah bah on va prendre le Magyar. T'as Magyar à pointe. Ça, ça me rappelle un truc. Non, c'est Harry Potter, ça. Ouais. Valachi. Qu'est-ce que comptez? Non... Oui mais non, alors on disait qu'on allait pacifier le coin là-bas parce que c'était un peu le bordel. Hop, allez les amis. Vous allez regrouper vos troupes à Turso. On va aller récupérer les Yordam. Est-ce que en plus je peux... Vassalisation forcée. Oh bah alors là je suis content là. Oh alors là oui je suis content. C'est fou, allié, c'est le bordel. Hein. Victoire, hop, très bien. Défi au jeu de plateau. Oui, défie-moi donc. Bon, naturellement, ben ménager, vous vit comme prévu. Ça c'est non pas facile, ça c'est ça. Oh, j'ai perdu. Ah! J'étais nul! Eh bien, le meilleur a gagné! Ah! Dommage! Ah bah, je pensais avoir fait les bons trucs, mais les bons choix, mais non, pas du tout. Comme quoi? Faire un petit peu plus attention. Royaume d'Écosse, Royaume de Danelaw, le Danelaw est éparpillé de partout. En Angleterre, il n'y a pas le Royaume d'Irlande. Royaume d'Italie, Royaume de Sardaigne. Et là, l'Irlande est un peu divisée. Bon, je vais faire autre chose. En fait, je vais lever mes troupes là. Un secret dévoilé. Ah, je m'en fous.
On va lever toutes nos troupes ici à Ranariki. Hop, on va traverser, on va aller là. Il y a un allié. Bon, il a quelques alliés, mais ah ouais, quand même. Ah ouais, il est fort lui. Lui aussi, lui je m'en fous, c'est pas grave. Vassalisation forcée. On est largement plus fort qu'eux. Bon déjà. Ça je m'en fous, ça je m'en fous. Je vais appeler des alliés à l'aide. Pour que ça soit plus vite. Hop. Oh oui, pas avec la Germanie alors là. Ça ira bien comme il faut. Je vais recruter quelques mercenaires. Voilà, c'est pas grand chose. On va tout lever. Ok, il reçoit un peu d'aide de ci, de là. Mais pas, non, pas du royaume de Suède du coup. Vraiment que d'un gros duc, une grande chefferie. Oh la vache, ouais, pas badass quand même. Hein. Je vais en envoyer un, aller prendre ce territoire-là, vraiment, juste ça. Dire, toi, tu vas récupérer la tribu là-bas. Et eux à Yawar. Bon, chacun sa vitesse. Hein. Ce sera bien là si on pouvait vraiment récupérer même toutes les petites îles, là, la chefferie qui est là, etc. On terminera avec l'Islande. Ouais, beaucoup de terres infranchissables hein, par contre. Hein. En Suède, Norvège. Ouais, il y a du monde qui a été recruté. Dis donc, toi, là, tu veux pas m'aider? Si, ok, il vient m'aider. Ouais, bon, ils vont en Grande-Germanie. Je vais prendre ça et je vais aller l'aider. Je vais débarquer là. Ce sera plus sûr. Ça me permettra de lui faire des pertes simplement. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Il n'a pas beaucoup de baronnies ici. Hein. Sauf tribu. On est ici. Et. Il est ici. Allez, hop. Prenons la mer. Faire attention parce que c'est vrai qu'ils sont particulièrement forts. Et lui il va faire. Il va prendre cher. Ah, ici, il va pas aimer la blague. Bon, j'envoie 11 000 troupes, j'espère que ça suffira. Là, lui, il est arrivé. Oh, il était rapide. Hein. Ok, débarqué, on va aller. Ici, on va essayer de lui intercepter quelques troupes. On va gagner en plusieurs batailles plutôt qu'en faire une grosse où là on pourrait perdre. Oh bah il gagne.
Ah non, il a eu des renforts aux dernières minutes, dommage. Oui, ils sont forts quand même, hein. Ils me font des lourdes pertes alors qu'ils sont en forte infériorité numérique. J'ai réussi à prendre le Magyar, c'est parfait. Ils ont voulu sorcier. Oula, sorcier, oula, 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 oula. Non, on tôle toi, hein, sorcier. Oh, il veut venir aider? Ah bah viens donc aider. La justice, exactement, c'est ça la justice. On va essayer d'intercepter d'autres troupes. Ah, ça bouge par là, des prisonniers, bon. Ouh. Si on se bataille, on lui fait des lourdes pertes. Oh, c'est le roi en plus. Oh, il y a moyen d'accélérer un peu tout. Là, on se bataille contre un roi. Oh, il est bon par contre en avantage de commandant. Il a 30 points. Oh la vache. Oh, bah, on les a dézingués, lui. Avoir quelques berserk sur la fin, c'est ça? Berserk, pardon. Que dalle, même pas de bons prisonniers, c'est terrible ça. Ah bah si, quand même, j'ai un grand chef, mais ça n'a rien pris du tout. On va tenir le passage ici. Ah, il y a aussi un passage là. On va voir. Ouais. Là ils ont fui, ok. Là ça se prend petit à petit. Oh zut, il a réussi. Ouais, c'est vrai qu'ils sont rapides à prendre la mer. Vous contrôlez au Kemar, c'est où, c'est où? C'est ça là? Ah d'accord, ok, bon, bah, je vais revenir, je vais reprendre la mer. Et je vais aider eux là-bas parce qu'ils sont un peu loin. Derrière. Oh, je vais les intercepter. Il tente de remédier à cette erreur. Alors, un homme sont faibles. Duchesse de Bourgogne. Hop, je suis passé pour cette fois, mais... Je préfère faire ça. Partition obligatoire. Comme ça, ça fait qu'ils ne grandissent pas trop. Fornicateur, accordez mon pardon. Voilà. Là, j'ai essayé d'intercepter cette troupe. Mais non, il est mort ici, hein. Il y a du bateau, hein. Vous allez probablement gagner, je l'espère. Son commandant est un peu moins bon que le mien. Taille là, attention. 6666, ah oui. Ok, on la gagne facile la bataille. Oh, plutôt bon. On va avoir 2-3 sièges. Ok, il y a un allié qui se joint à eux, mais... Ça va. Et je pense être trop tard pour eux. 320. Yes.
Double siège réussi. Hop, je peux vassaliser de manière forcée ce petit gars. Il est devenu mon vassal. Alors on va tout disperser. Et surtout, on va exiger une conversion de la part de tout le monde. Alors, attends, c'est lui le... Ah ouais, d'accord, il avait vraiment toutes ses terres. Hein, on peut créer le Northam, les Northam Hills. C'est là. Ok. Les îles du Nord. Et je vais les accorder à lui. C'est un petit compte. Autre étant déjà duc, je veux pas. Je veux pas qu'il devienne trop fort. J'ai des prisonniers. On va faire de la rançon. Hop, merci. Et merci. Comme ça, on est riche. Et on peut enchaîner sur le dernier. Dernière chefferie. Oh, pardon. On peut dire. C'est venu d'un coup. Je l'ai à peine senti venir. Alors. On déplace le point de ralliement. Pour se former contre vous. Tiens, d'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas checké, mais est-ce que là. Ouais, tu es bien catholique. Voilà, ça va se faire petit à petit, hein. Je sais pas si le roi de Suède il est. Non, il est pas catholique. Pourquoi l'héritier il est très vieux? Même là, ça devrait être commencé à. Ouais. Ça commence en fonction des endroits. C'est danois encore. Ah, pardon. Eh ben. Oui, paye si tu veux. On peut demander de l'or, 1500. Bah, je crois que ça, c'est le cap maximum. Ouais, par le coup, c'est ce que je fais. Je répands. On empêche la Suède d'avoir toutes ses terres. C'est bien. Je suis pas sûr, mais je crois que le Danemark il s'est encore fait bouffer. Hein, là, je crois que je peux le. Bah non, je pensais que je pouvais le vassaliser, mais pas du tout. Défi au jeu de plateau. Allez, on va faire ça rapide. Oui, pas de cachotterie. Que tu crois? Je vais faire une règle quelque part. Je fais une règle comme ma poche. Ok. N'hésite pas à revenir jouer avec moi. Je peux jouer contre le. Alors il y a un délire comme quoi je peux jouer contre le pape. Avec de l'enjeu. C'est génial. Pour gagner 10%. Pour accepter. Ah ouais, d'accord. C'est vrai que je suis pas copain avec lui. Ah, une culture découverte. La fascination caserne, ça c'est moi ça. Alors, ouvrir l'inventaire, pourquoi? Qu'est-ce que je vais rechercher maintenant? Est-ce que j'ai un truc qui est planqué là, que j'ai pas encore recherché? 8 ans pour le terrain de rassemblement. Et ce serait le dernier de l'ère tribale, ce serait pas mal, sachant que là... 14 ans pour seigneurie, rempart, 14 ans, ouais, 8 ans, 14 ans. Ça me permettrait de lever plus de troupes. Je vais pas dire non. Allez. Bon, par contre, je peux. Ah, si, je peux faire un truc à Avranches. Petite écurie. Ouais, je peux améliorer ce genre de bâtiment. J'avais que ça, vraiment. J'avais pas fait de forgeron, de trucs comme ça. Ah, bah si, bas fourneau. Ah, Alençon, bah, j'ai pas vu. Mais c'est tout, vraiment, j'avais
Alors que j'améliore ça. Hein. Alors que j'améliore tout ça. Parce que là-bas, forno. Forno. Ça me faire quoi au niveau 2? Oh, dégâts des hommes stationnés, plus 20%. Ah oui. L'autre, c'était Saint-Brieuc? Non. Avranches. Ah oui. Plus de dégâts de la stationnerie légère. De la cavalerie légère. De la stationnerie légère. Ah, yeah. Ça se tape sur la tronche en Écosse. Hein. Ils sont motivés, les mecs. Hein. Allez, on va prendre ça. Bouillir de colère. Ah, tiens, ça me rappelle mon ex-ex. S'emparer de chefferie, de jure, s'emparer de North Island. Ouais, j'obtiens des titres, mais. Je suis obligé de faire une garçante. Ah, c'est terrible ça. Ah, attends, non, il devient vassal. Je vais aller la clame. Chaque chevalier obtient 20 d'opinion. Oh oui, c'est bien. Obtenez le duché contesté. Ouais, on va refaire ça. Allez. Ah merde, j'ai perdu mon médecin de la cour. Ah merde, j'ai perdu mon antiquaire. Oh merde. Les deux d'un coup là, c'est pas ouf. Faible, 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 faible. Bon, on va leur recruter. On va chercher un médecin. Hop, moi je lève mes troupes et je les envoie direct à la chefferie. Médecin de la cour, oui, on va voir bonne. Ouais, bon, c'est mieux que je puisse savoir. Ah merde, j'ai plus d'antiquaire non plus, j'ai oublié ça. Antiquaire moyen. Bon, mieux que rien. Ah. Attends, c'est pas vrai ça. Dès que je tourne. Dès que j'arrête de tourner, y a plus de bruit. Là, je vais croire qu'il y a un message caché là derrière les coups de tronçonneuse. De tronçonneuse. Oui, non, de perceuse. N'importe quoi, tronçonneuse. Ok, c'est bon. Oh, 27 000 troupes, ah oui. Une revendication sur la Grande Moravie. Attends, quoi? Oh! Royaume de Grande Moravie? Oh! Oh! Attends. Je te recrute à la cour, toi. Viens à la cour! Revendication sur le royaume de Grande Moravie. Attends, je veux pas dire non. Je suis pas fou. Ok, on débarque. Oula, peut-être un petit peu d'avance mon ami là, par contre t'es tout seul pendant un temps. Ça, heureusement qu'on a du monde qui arrive en soutien. Bon. Vont-ils réussir à capturer un... quelqu'un qu'il faut? Ouh, ah bah oui, on a capturé tout le monde. Ah, bon, pas assez. Bah. Oh, attends, j'ai un... Attends, comment ça? Déjà, toi, tu vas te reconvertir.
Attends, c'est fou ça. Pourquoi il y en a qui sont encore pas convertis? Vraiment falloir faire votre taf les mecs hein. Normalement moi tu vas dans mes vassaux là. Normalement t'as pas de. T'as pas de nom catholique. Je me trompe pas. Y a pas moyen de l'avoir plus vite en vrai là. T'es du pays 17. Ouh. Un peu forte celle-là. Je lui mettrais bien une partition obligatoire, elle. Hein. Regarde, moi, il n'y a personne qui n'est pas catholique chez moi. C'est tout le monde. Terrifié. Ça te terrifie. Ça va être adulte. Encore une belle jeune femme. Tu vas finir marié toi aussi. Hein. Alors attends. Avant d'être marié. Laisse-moi voir certaines choses. Ok. Ok, j'ai un flatteur. Nous une amitié, ça marche mieux. Et Salwa. Pas grand chose hein. Revendication forte solide. Hop, alors attends. Ouais. Oh tu sais, y a pas un royaume là qui traîne dans le coin hein. C'est l'Italie, Slavonie, la Brême. Ah oui, mais non, mais ma fille et mon petit-fils, c'est pas ouf. Rome d'Italie. Ouais. Comme ça restera en famille. Ouais, ça restera en famille au moins. Y a pas trop de soucis. Hop là. Ah oui, alors je vais s'améliore honnêtement. Appuyer nos exigences. Et voilà. Ah, par contre, faut qu'on convertisse toi. Une bonne livrogne. Ah oui, c'est vrai, c'est toujours des ivrognes de toute façon. Je sais pas pourquoi toutes les reines dans ce jeu, là, dans ma partie, sont ivrognes. J'en ai pas trouvé une seule reine qui soit pas ivrogne jusque-là, passé, on va dire, 40-50 ans, quoi. Je sais pas si ça existe, hein. Honnêtement, c'est... On va checker, hein, on va faire le tour un peu des royaumes. Ah, attends. Voilà. Ah, si tu en avais une ici. Ah, t'es une chefferesse, t'es pas une reine. C'est dommage. Tu me diras, des reines, doit pas y rester grand-chose. Hein. Roi. Oh, reine. T'es pas encore assez vieille pour être ivrogne. Ça viendra, t'inquiète. Chef, grand chefesse, grand chefesse, grand chefesse, grand chefesse. Princesse. Non mais t'es pas reine. Attends, on a vu une là, elle avait une belle taille en plus. Sacré. C'est 15 têtes de plus que moi, elle était où? Ah ouais. Oh, la vache. Faut pas l'embêter hein, la dame. Quelle arme. Moi je. Non, moi j'irais pas l'embêter. Hein. Si j'étais vous. Je la laisserais tranquille. Allez, on rançonne. Je dois attendre la réponse pour pouvoir rançonner de nouveau. Et voilà. Bon, j'avais moyen de récupérer la grande muraille. Comment ça, non?
Ah, faut que je donne une terre à l'autre là. Et ah, mais. Ah, ça y est, je crois que je comprends. Effectivement, s'ils ont pas de terre, ils peuvent peut-être pas avoir de revendications, les cons. Merde. Ah, c'est. Ah, c'est ballot. Oui, parce que bon. Certes, j'ai des gens avec des revendications, mais sans terre. Donc je suppose, que s'ils n'ont pas de revendications, ils n'ont pas de terre. C'est où c'est mes courtisans? C'est elle, je crois. Et ouais. Parce que vu qu'elle a pas de terre. Ah oui, pardon, tu te reconvertis, s'il te plaît. Autre. Rien. Ah oh putain, en plus c'est une femme. Attends, je vais la marier. Il faut que je la marie à quelqu'un là. J'ai pas un garçon là bientôt là, ou un petit-fils, un fils ou un truc comme ça là, qui puisse se marier avec elle. Fille, 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 fille. Oh là là. Toi, t'es marié? Oui, t'es marié avec. Ah oui, en plus avec les Byzantines. Ah merde, c'est con ça. Il me faut un fils, un petit-fils, un arrière-petit-fils, un. Quelqu'un? S'il te plaît. J'aurais une sens égale dans le pays. Se créer un style avec des vêtements et des bijoux resplendissants serait subtil à tout le monde. Serait un rappel subtil à tout le monde que c'est moi qui commande. Prestige. Oui, c'est bien. Je voulais aller en pèlerinage, je crois. J'espère que je peux en faire. On va faire un pèlerinage pieux parce que j'aimerais bien guérir. On va pas aller loin, on va aller à Cologne. Non, à Saint-Jacques-de-Compostelle parce qu'on voulait passer par Lourdes. Personnaliser l'itinéraire. Tu vas passer par là. Alors, Lourdes, c'est par là, je crois, mais. Maniaque, la mer, Rastignac. Hein? C'est où Lourdes? C'est pas par là vraiment? Ah non, c'est pas là. Bon, on va passer dans le coin, on va dire. Le but c'est d'être particulièrement pieux, donc tu vas te faire un petit pèlerinage au vénérable âge de 105 ans. Ah, ben mon ami. Je peux te dire que. C'est ce qu'il faut, hein. Aime ton prochain. Ils ne sont pas tous si mauvais. Sympathie envers les infidèles. Mépris envers les infidèles. Oui, sympathie. Hein. Non, merde, j'aurais dû faire mépris, je suis con. Oh. Un ours. Je meurs. Oh là 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 là. Oh là 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 là. 57%? Bon, les mecs. On va tout jouer là, hein. Là. Ça risque de très mal se passer. On a moins de tuer un ours. Il y a 5 d'expérience, tu m'étonnes. Laisse-moi ça, Tiob, maintenant. Ah, dommage. Bon, je suis blessé, c'est pas grave, je vais passer par Lourdes. Je vais voir un miracle, non, non, je vais pas être guéri. Allez, viens là, t'as une bonne martialité. Ah, dommage. Bon, j'ai pris un risque hein, quand même. Il y avait 10% de proba que j'y passe. Hein. Le pèlerinage devient plus pieux. Oui. Vous avez perdu l'ours. M'en fous. Vous lui apportez un
présent pour Saint-Jacques, mais... Allez, viens avec nous. On va à Saint-Jacques. Tenue, un hameçon. Ah ouais. Tu peux te marier, toi, vraiment, tu veux... Il y a quelqu'un qui a des terres, si possible. Ah merde, ah non, tu... Ouais, non. Comme ça, tu peux pas te marier à quelqu'un qui a des terres. C'est fou, ça. Oh, tu te marieras à moi après, au pire, c'est pas très grave. Je sais pas pourquoi, je me dis, ma femme, en général, elle va peut-être passer plus vite que moi. Bon, même si là, en vrai... 105 ans, ça serait un peu moche, hein. Oui, je suis un pèlerin dévoué. Non. Pèlerin dévoué. Je cherche pas à comprendre, je veux guérir. Je veux guérir de mon infirme, de mon infirmité, du fait que je sois infirme, je sais pas. J'ai suivi le chemin sacré. Je pèlerine, je pèlerine, je pèlerine. Je sais pas si ça se dit ça. Ah oui, des marchandises, ouais, à ramener. Ok. Ça fera un peu d'or. Hein. C'est un investissement, disons. Comment que ça se passe ailleurs? Ah. J'ai l'impression que ça a encore grandi par là. Oh, le Maghreb, il est fort. Ghana, oh, là-bas aussi, c'est fort au sud. Oui, soit son copain, Simon, moi je m'en fous. Oh, et là, comment que ça se passe? Tiens, un gros royaume. Auguse. Il y avait... Attends, mais il y avait les Kazakhs ici. Oh la vache, les Kazakhs, ça a cassé en tout ça. Oh. Coup dur. Naissance des Écossais. Ouais, pourquoi pas? Ça devient plus pieux, ça me va. Ouais, ils... Ah bah ils sont galliques. Ils sont nés où les Écossais? C'est un honneur. Ah zut. J'ai pas guéri. Quel dommage. Je m'en doutais un peu, ça aurait été un peu trop beau quand même. On va prendre la mer, ce sera plus rapide pour le retour. Direction Rouen. Non, j'en veux pas, j'en veux pas, j'en ai déjà, je crois, en plus. Et les bâtiments qui se sont améliorés, très bien. Je peux vraiment indiquer des... J'ai que des duchés, ok. Ça m'intéresse pas. Je poserai en vrai, mais... Oh, de sacré engagé... Ouais. On va essayer, hein.
Et en plus c'est un Saint-Malo, mais alors là c'est le combo parfait. Ah, il y a eu un combo. Un cochon aveugle pour mieux gérer cet endroit, Sardine. Oh, le combo entre cochon, alors Saint-Malo, cochon, parce qu'en Bretagne, il y a du cochon à gogo. Sarrasine, c'est le nom qu'on donne au... Alors, masculin, mais c'est le nom, si on transforme en masculin, que l'on donne au blé noir. Le sarrasin, la farine de sarrasin. Avec lesquels sont faits les galettes. Non, le combo, et en... c'est... Vas-y, faut que je teste ça. Hein. Oh, c'est fou. Le full combo, là, c'est magnifique. J'ai beaucoup apprécié la blague du jeu, là, pour le coup. Magnifique. Allez, on rentre de notre pèlerinage, tranquillou bilou. À 106 ans. Le voyage a été long. Ouais. Parfait. On va s'arrêter ici pour l'épisode d'aujourd'hui. Il faudra que petit à petit j'aille conquérir d'autres terres, mais je sais pas encore quoi. Ah oui. On va vendre tout ça. Non, ça c'est compté du jour, ça c'est du fait du jour. Prochain épisode, je sais pas encore. Pour le coup, je ne sais pas. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi à aller chercher. Je vous dis à très bientôt. Allez, c'était Thiob.